Bonjour à vous. Dans cet élément vidéo, nous verrons comment paramétrer son compte blockchain, comment ouvrir son compte blockchain et extraire l'adresse de réception d'un transfert Bitcoin. Et dans la fin de la vidéo, nous verrons aussi comment paramétrer son compte Chaimol pour recevoir facilement son transfert de Bitcoin. Donc, la première étape, c'est d'avoir le navigateur Play Store. Donc, tout commence avec Play Store. Donc, vous allez entrer dans le Play Store et télécharger une application blockchain. Donc, quand vous avez ouvert Play Store, vous venez sur la barre de recherche ici plus haut. Vous renseignez la zone de recherche, vous saisissez blockchain. OK, et vous lancez la recherche. OK. Donc, voici plusieurs applications qui manipulent la blockchain. Vous voyez ici plus bas, on a les Bitcoin, Wallet, et il y en a tellement. Il y a Bitcoin Cash. Donc, pour ce cas d'espèce, nous parlerons uniquement avec l'application Blockchain Wallet. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous allez cliquer sur Installer. Ici, ce sera marqué là, Installer. Allez cliquer sur Installer. Mais pour moi qui l'ai déjà, je vais directement me rendre sur l'application, dans mon menu. B, la lettre B, elle est où? La lettre B, blockchain. OK, la voici. La lettre B, blockchain. La voilà. Oui. Où est mon curseur? Pourquoi je ne le retrouve pas? OK, je vais entrer sur blockchain. OK, nous voici sur l'application blockchain. Patientez qu'elle ouvre. OK, nous voici sur l'application blockchain. Alors, quelques informations utiles concernant cette application. Nous avons ici le montant de dollars disponible dans votre compte. Chez certaines personnes, ce montant sera en euros. Ça ne doit pas être un problème. Vous pouvez modifier n'importe quand. Vous changez l'euro, là, vous mettez le dollar. Et pour changer, c'est pas compliqué. Vous venez ici, dans la rubrique. Vous venez plus haut, ici. Ici. Vous voyez les cartes dans le menu. Vous choisissez le réglage. Ça vous permet de changer la monnaie locale. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Donc, je suis dans le menu. J'ai ici réglage. Je peux modifier à partir de là du réglage. Donc, j'ai ici des informations me concernant. J'ai ici l'ID de mon portefeuille. C'est grâce à cet ID que je peux ouvrir ce même portefeuille sur un laptop ou sur une tablette. Et j'ai ici mon email. L'email me permet de récupérer l'email me permet de récupérer les messages privés ou plutôt les mots de passe pour accéder à mon compte. Et l'email permet aussi de savoir si celui qui ouvre le compte n'est pas un robot. Donc, n'oublions pas qu'il était question de modifier la monnaie locale. C'est-à-dire, lorsque vous venez ici, vous cliquez sur monnaie locale, vous mettez la monnaie de votre pays. Si vous êtes dans l'euro, vous allez rechercher euro. Voilà l'euro. Mais en ce qui nous concerne, nous allons utiliser le dollar. Nous laissons sur dollar. OK. Ici, vous pouvez modifier votre mot de passe. Modifier le ping. Le ping, lui, concerne uniquement le téléphone. C'est un code à 4 chiffres pour ceux qui utilisent le ping. Chez certains, c'est plutôt le mot de passe. Ça, c'est pour le cas du PC. Le PC n'utilise pas de code ping. Le PC utilise le mot de passe. Et ici, plus bas, nous avons le déverrouillage par l'empreinte digitale. Vous pouvez déverrouiller avec l'empreinte si vous utilisez un téléphone. Donc, ici aussi, vous avez les captures d'écran.
L'application blockchain n'autorise pas la capture d'écran pour éviter que les comptes soient piratés. Donc, vous devez choisir d'autoriser les captures d'écran ou pas. Pour mon cas, je peux autoriser parce que mon téléphone a plusieurs sécurités. Donc là, j'autorise les captures d'écran. Oui. Et je peux revenir donc sur la page précédente. Donc, nous avons ici le solde total qui affiche là 0,0. Ici, nous avons les indicateurs de la valeur du Bitcoin à l'instant. Comme on peut le constater, à l'heure actuelle, le Bitcoin coûte 17 207 dollars. Il a effectué une chute de 10,79% en 24 heures. Hier soir, il était à 19 000 dollars. Aujourd'hui, il est à 17 000. Et c'est aussi l'une des particularités du Bitcoin, c'est qu'il est très volatile. Alors ici, plus bas, nous avons l'Ethereum. Et en bas, nous avons le Bitcoin Cash et plusieurs autres crypto-monnaies. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est comment générer l'adresse de réception pour recevoir un transfert Bitcoin. Alors, ce n'est pas compliqué. Vous venez simplement ici, sur la zone de transfert. Vous cliquez sur transfert. Quand vous avez cliqué, vous revenez ici plus haut, sur recevoir. Vous cliquez sur recevoir parce que nous voulons recevoir de la crypto-monnaie. Quand vous avez cliqué sur recevoir, vous venez cliquer sur mon portefeuille Bitcoin. Voilà donc les adresses que nous recherchons. Et il y a deux types d'adresses. Il y a l'adresse en code crypté, l'adresse cryptée qui permet de coupler deux téléphones. Donc, si mon vis-à-vis est à côté de moi, il veut me faire un transfert, il lui suffit de filmer ce code barre. Mais s'il est loin de moi, il y a un autre moyen qui est celui que je m'en vais vous présenter. Il s'agit de ce message codé. Vous devez cliquer sur ce message. Quand vous avez cliqué, vous venez cliquer aussi sur enregistrer dans le presse-papier. Vous l'enregistrez. Ça y est, vous l'avez enregistré. Maintenant, il est donc question d'expédier cette adresse-là à votre partenaire. Donc, s'il s'agit d'une entreprise avec laquelle vous êtes en collaboration, vous devez donc lui transférer cette adresse pour qu'il puisse l'exploiter le moment venu pour vous transférer vos bitcoins. S'il s'agit d'un partenaire, vous devez lui envoyer ce message. Par exemple, par WhatsApp, je vais faire une simulation. Je vais sortir de mon compte. Je sais que mon adresse est déjà dans le presse-papier. Je vais venir dans WhatsApp. Je vais entrer dans WhatsApp. J'entre dans WhatsApp. Je vais choisir comme ça au hasard une adresse vers qui je vais transférer. Vers qui je vais transférer. Le SMS. Ok. Donc je vais choisir comme ça au hasard. Hein. Permettez que je. Il me suffit de coller. Quand j'ai collé, il me suffit de coller. Ok. C'est fait. Donc voilà mon adresse que j'ai collée. Et la personne peut donc l'exploiter pour une bonne cause. Là, je vais effacer. Ok, j'efface message supprimé. Donc, je vais revenir sur notre compte blockchain. Je reviens sur notre compte blockchain. Donc, détrompez-vous. La blockchain n'a aucun mystère. C'est facile à utiliser. C'est facile à utiliser. Si vous pouvez faire un transfert mobile money, vous pouvez aussi faire un transfert blockchain. C'est pas compliqué. Mettez-vous à l'école de cette technologie et vous verrez que les choses viendront d'elles-mêmes. Donc, ça, c'était la première étape. Je m'en vais de ce pas dans la deuxième étape qui consiste à paramétrer son compte de retrait pour un retrait blockchain. Donc, merci d'avoir regardé. Je suis le leader Blaise Cazé. J'anime une page sur YouTube
où vous trouverez plusieurs tutoriels pour vous aider à avancer dans le monde de la finance numérique, la finance digitale. Donc, je suis membre de l'entreprise Shine Mall International et je vous encourage à vous intéresser vraiment au numérique. Donc, merci d'avoir regardé. À très bientôt pour la deuxième vidéo qui parlera du retrait Shine Mall. À tout à l'heure. Merci.